Voilà, tardez. Je ne pourrais pas continuer dans votre langue, votre belle langue. Merci aux organisateurs, merci à l'Assemblée, à Omnium, à l'ensemble des organisateurs. Merci à vous d'être si nombreux pour entendre parler de notre petit pays, petite île. Nous avons des relations étroites depuis des décennies avec la Catalogne. Dans l'histoire, il y a eu des relations depuis très très longtemps. Mais dans, je dirais, la période moderne, cela fait des dizaines d'années que nous nous rencontrons ici, en Corse également, et que nous marchons main dans la main, pas au même rythme, puisque vous avez beaucoup d'avance sur nous, sur le plan politique, mais cela fait des dizaines d'années que nous travaillons ensemble, et donc ce sont des relations politiques, mais ce sont aussi des relations d'amitié entre le peuple corse et le peuple catalan. Bé, donem les gràcies a tots els assistents. Fa referència a les relacions estretes que hem tingut des de fa, ja històricament i des de fa molts anys, la Còrsega amb Catalunya. Diu que el recorregut amb dues va una mica la mà d'una amb l'altra, a diferents ritmes, perquè reconeix que Catalunya va a un ritme més ràpid que Còrsega. I bé, alors, pour rappeler un petit rappel historique qui est toujours quand même nécessaire, donc la Corse a été une histoire assez tumultueuse puisqu'elle a été souvent occupée donc, par des puissances étrangères et les deux dernières en date sont les Génois. Donc, qui se sont installés, je dirais, juridiquement de manière ferme à partir du XIVe siècle, où ils étaient présents avant. Et puis, après les Génois, ça a quand même duré 4 siècles, hein, donc jusqu'au XVIIIe siècle. Les Corses ont secoué la domination génoise à partir de 1729. C'est ce qu'on appelle la Révolution de Corse. Dans une deuxième phase de la Révolution, à partir de 1755, la Corse a été indépendante. Pascal Paoli, Pasquale Paoli, a été donc le chef d'État de la Corse indépendante. Et en 1768, la France a jeté son dévolu sur la Corse. C'était la première puissance militaire du monde. Et elle a attaqué un petit peuple qui vivait dans l'indépendance, et après une guerre qui a été sanglante, la Corse donc a été conquise militairement en 1769. Donc depuis, les relations avec la France ont été, inégales, mais souvent agitées. Voilà un petit peu un rappel bref, mais quand même qui donne une idée de la chronologie. Bé, fa una revisió històrica. Ens explica que la història de Còrsega ha sigut tumultuosa a nivell de conquistes. En primer lloc, el 1729 va estar conquerida pels genoveses durant 4 segles fins al 18. Llavors es va produir la Revolució dels Corsos en 1755. Llavors Còrsega va esdevenir un estat independent, un país independent, gràcies a Pasquale Paoli. Malauradament, el 1768 va ser França qui va invadir la illa. Llavors els que estaven ja tranquil·lament, doncs el 1769 va conquerir Còrsega. Des de llavors les relacions entre Còrsega i França han estat molt desiguals. Segurament hi ha hagut períodes de més pau, períodes de més lluita. Però ell ha definit les relacions com a agitades, finalment. Alors,
Je partirai quand même de cette période du XVIIIe siècle qui a été la période d'indépendance de la Corse, parce que de 1755 à 1769, les Corses ont construit une république. À l'époque où la France était une monarchie de droit divin, les Corses donc construisent une république et élaborent un véritable républicanisme avec ses spécificités. Si diu que en el període de la independència Còrsega, entre 1755 i 1769, Còrsega ha establert una república, mentre que França estava sometida a una monarquia absoluta. Donc c'est effectivement une période qui reste très chère, je dirais, dans le cœur des Corses. C'est une période qui occupe une place évidemment privilégiée et c'est aussi une période où la pensée politique ou la tradition politique corse s'est cristallisée. Et on a l'habitude quand même de penser que la Révolution française a structuré la pensée politique française jusqu'à nos jours. La Révolution américaine a également structuré la pensée politique américaine jusqu'à nos jours. Nous avons fait d'ailleurs un colloque récemment avec des collègues américains sur ces questions. La Corse, qui est un petit pays, modestement, a aussi une révolution au siècle des Lumières, et cette révolution a structuré la pensée politique corse jusqu'à nos jours également. Molt bé. Aquest període de la independència és un període que ha quedat en el cor dels corsos com a un període molt estimat, és d'entendre. Té un lloc privilegiat. Llavors, fa una comparació amb les revolucions franceses i la revolució americana, dient que aquestes revolucions pensem que han cristal·litzat el sentit republicà d'aquests països, però que a Còrsega també va passar el mateix. La revolució, encara que va durar molt poc temps, també va estructurar el pensament una mica dels corsos en aquest sentit. Et du fait que nous avons eu en fait deux révolutions avec des pensées politiques différentes, aujourd'hui nous avons une manière d'appréhender la politique qui est souvent très très différente de celle qui a cours à Paris, et d'où un certain nombre sans doute de désaccords qui existent, outre le fait bien sûr que la Corse est un pays et qu'elle n'est pas une entité administrative française. Et donc il nous faut à la fois arriver à faire comprendre à Paris que nous sommes une nation et non pas une région française, et il nous faut en même temps que nous discutions avec des responsables parisiens qui n'ont pas la même structure de pensée politique que nous. Donc tout ça est souvent très compliqué. Sí, crec que això ho entès prou bé, no? Molt bé, diu que, clar, estableix la diferència d'entendre la política des del punt de vista francès i més concretament de París i el punt de vista corso. Volen fer entendre als francesos, al governament francès, que som un país i no una entitat administrativa, que no som una nació, perdó, que no som una regió, sinó una nació. I llavors, per això s'han de fer discussions i debats i estan en aquest punt. Alors, donc, il y a eu, c'est vrai, depuis la conquête militaire et l'annexion par les armes, de la Corse par la France, il y a eu donc des périodes qui ont été plus ou moins troubles, plus ou moins agitées. Pendant le 19e siècle, la France s'est installée en Corse, alors elle s'est installée évidemment sur le plan administratif, mais sur le plan linguistique, puisque notre langue est une langue italo-romane, une langue qui faisait partie évidemment de l'ère italique sur le plan linguistique. Notre langue a dû donc perdre du terrain au bénéfice de la langue française, et cela a été imposé par l'administration, par l'éducation nationale française. Donc le 19e, ça a été la période de francisation
je dirais, déterminée de la Corse, à la fois sur le plan linguistique, culturel, et sur le plan des mœurs, qui étaient de la culture, qui est des cultures qui étaient très différentes. Donc il y a eu cette introduction au XIXe siècle donc, de la France sur ces différents plans linguistiques, culturels, administratifs, politiques, et cela évidemment a été un traumatisme hein, pour une société qui était effectivement très différente de la société française. Explica que el segle XIX és quan realment França ha entrat en tot el que és doncs una cultura diferent, des del punt de vista lingüístic, de cultural i de costums. No? Llavors, França s'ha imposat en aquest segle a la cultura, la llengua i els costums corsos. Això ha sigut doncs una etapa, com podeu entendre, molt dura. Et il a sigut une étape traumatique. Alors, au XXe siècle, les Corses ont été sollicités, évidemment, pour participer aux deux guerres mondiales. Bon, je passe sur celle de 70, puisque les Corses ont évidemment fait aussi la guerre de 70 contre la Prusse. Mais il y a eu ces deux guerres qui ont été pour la Corse un véritable traumatisme, en particulier la première, ce qu'on appelle la Grande Guerre de 14-18, parce qu'il y a eu une saignée humaine considérable, la Corse ne s'est jamais relevée sur le plan démographique de la saignée de 14-18. Et puis ensuite, il y a eu effectivement une participation des Corses à la Seconde Guerre mondiale, et la Corse a été le premier territoire libéré du joug fasciste. Ce sont effectivement deux moments très forts au XXe siècle, à la fois en termes de sacrifice consenti par la Corse, mais également en termes de résistance et, c'est vrai, de valeur guerrière, hein, donc, qui a été évidemment reconnue, je dirais, de façon unanime par tous ceux qui connaissent l'histoire de la Corse. Bé, finalment entrem al segle XX. Explica que Còrsega va participar sota demanda francesa a les dues guerres mundials. La primera va ser la més dura. Parla de sangria humana i diu que mai no es va recuperar demogràficament d'aquestes pèrdues humanes. A la Segona Guerra també va participar-hi i diu que va ser el primer territori alliberat del lloc feixista. I llavors posa en relleu el valor de lluita del territori. Molt bé. Sí, de resistència. Donc voilà, c'est une histoire, je dirais, qui est troublée, qui est agitée, qui a donné la possibilité aux Corses de donner toute la mesure de leur valeur de peuple, hein, de leur capacité de résistance. Mais c'est une histoire qui a laissé des traces extrêmement profondes, à la fois dans notre culture, dans notre imaginaire, mais également dans notre chair. Et c'est vrai que notre démographie aujourd'hui, qui est relativement faible, hein, nous sommes en Corse, 320-330 000 habitants, dont une grande partie aujourd'hui n'est pas Corse, n'a pas vocation à rester. Il y a beaucoup de fonctionnaires de passage, de fonctionnaires français, de populations étrangères à la Corse qui n'ont pas l'intention de demeurer, mais qui évidemment font partie du corps électoral. Bon, donc il y a une situation aujourd'hui humaine, une situation de peuple qui témoigne, je dirais, du caractère agité de notre histoire, donc jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale que j'évoquais à l'instant. Il y a deux paroles qui répétissent pel que fa à l'esprit de l'habitant corso, que sont agitat i resistent, no? Doncs és una mica l'esperit d'aquest poble. Diu que demogràficament no són uns 330 mil habitants
i també aquí hi ha molta gent que està de pas, no? Hi ha molts funcionaris francesos que no tenen intenció de quedar-se allà. Llavors, clar, tota aquesta gent també entra en el que són eleccions i així. És una situació, doncs, no sé, complicada. Une situation effectivement très compliquée. J'en viens à la période moderne. Et dans les années 60, donc, la Corse était dans une situation extrêmement difficile sur le plan culturel. La langue corse avait reculé sous les coups de boutoir de l'éducation nationale française qui avait cherché à la déraciner complètement. Bon, la langue, je ne vais pas le dire à des Catalans, ce n'est pas seulement un moyen de communication. La langue, elle porte les valeurs d'une société. Donc, c'était ces valeurs elles-mêmes qui étaient menacées. Le peuple corse en tant que tel était menacé de disparition certaine. La situation des années 60, c'est cela sur le plan culturel. Sur le plan économique, c'est la Corse vouée au tourisme, avec des projets qui consistait à multiplier le nombre de milliers de lits sur le littoral, abandonner l'intérieur. Enfin, ce que nous préparait la France dans les années 60, c'était notre disparition en tant que peuple, c'était une économie déformée au service d'intérêts étrangers. En fait, c'était simplement faire disparaître ce que nous sommes collectivement. Els anys 60 van ser com els més difícils culturalment, ja que la imposició de la llengua francesa va ocasionar que la llengua corsa doncs, quedés en un pla doncs, soterrat. Llavors, això que fa que la llengua representa els valors i els valors estan amenaçats. Llavors es troba que és un poble amenaçat de desaparició. Llavors l'economia igualment estava doncs els francesos van fer que la illa es convertís en un lloc turístic, van desenvolupar sobretot el que era la part del litoral, la part central doncs es va deixar com abandonada. Llavors era simplement un territori turístic pues, sense una llengua, sense uns valors. Alors donc il y a un certain nombre de Corses, des jeunes Corses en général, qui ont refusé la perspective de la disparition du peuple corse, qui s'y sont opposés. Et à partir de la fin des années 60 et du début des années 70, une nouvelle forme de résistance va s'organiser, la résistance face aux forces qui voulaient faire disparaître le peuple corse. Molt bé, llavors, als anys 70 apareix una nova generació de joves corsos amb ganes de, doncs, d'acabar amb aquesta situació de dependència de França i llavors es crea una nova resistència per fer front a les imposicions franceses. Alors, évidemment, cela s'est manifesté sur plusieurs plans. Hein, donc, effectivement, un renouveau linguistique, un renouveau culturel, la multiplication des groupes culturels, évidemment, une littérature corse de langue corse, un théâtre de langue corse, bien sûr, et puis aussi une démarche de fond pour faire comprendre aux Corses que leur langue avait de la valeur et que ça n'était pas quelque chose d'inférieur au niveau linguistique. Hein. Je crois que les sociolinguistes catalans avec lesquels nous travaillons aiment utiliser l'expression auto-odi, hein, la haine de soi. Hein. C'est évidemment ce que la puissance dominante culturellement veut imposer au peuple qui est dominé. Et en Corse comme ailleurs, on avait fait croire aux Corses que leur langue et leur culture n'avaient pas de valeur. Alors il a fallu effectivement que ceux qui étaient le plus conscients arrivent à faire partager à l'ensemble du peuple cette idée, c'est que ce que nous représentions collectivement avec notre langue, avec notre culture, avec notre manière de participer au monde, que tout cela avait de la valeur, que nous étions un peuple et non pas une simple circonscription administrative française qui parlait un patois.
doncs al 70, com havíem dit abans, hi ha una renovació de tot el que és cultural, es creen grups culturals, es comença a escriure literatura en cors en la llengua, teatre en la llengua, i llavors el que hi ha aquest grup una mica que va al capdavant de tot, que és el que intenta fer veure als altres, fer veure als altres que som un poble amb valors i que no han d'estar per sota de ningú. És a dir, el que fan és fer reconèixer el valor del poble que havia estat quedat doncs, soterrat per les imposicions dels francesos, sobretot el valor dels pobles, una mica. Alors, bien entendu, comme cela ne pouvait pas suffire, bien sûr, pour faire valoir nos droits, parce que c'est vrai que nous étions face à des forces qui étaient extrêmement déterminées, les forces de Paris, mais avec leurs relais locaux, c'est-à-dire des Corses qui étaient des chefs de clans, hein, on dirait des chefs de tribus pratiquement, qui maîtrisaient l'électorat, qui étaient couverts par Paris de manière systématique, qui fraudait aux élections, qui détournait l'argent public, mais à qui Paris pardonnait tout, parce qu'ils affirmaient tous les jours leur attachement à la République française et au drapeau bleu, blanc, rouge. Alors ils avaient le droit de tout faire. La força de París i els francesos en Còrsega doncs, també està representada per polítics corsos, doncs, que són seguidors dels francesos. Llavors, aquests polítics que estaven al capdavant de la política doncs, defraudaven econòmicament, defraudaven i manipulaven el resultat de les eleccions, defraudaven diners públics i... I doncs què n'ha fallut? Il a fallu les combattre. Et il a fallu combattre à la fois les forces parisiennes et, c'est vrai, certains Corses qui en étaient complices et qui avaient un intérêt direct et matériel à en être complices. Et c'est là que nous nous sommes organisés à la moitié des années 70 et tout particulièrement en 1976 avec la création du Front de Libération Nationale de la Corse. Llavors, per lluitar contra aquests cossos que estaven, doncs, eren com una repetició dels francesos i estaven estafant el país, en 1976 es va crear el Front de Liberació Nacional de Còrsega. Alors, ça a été effectivement un choix difficile que celui de la clandestinité, de la lutte armée, mais compte tenu des rapports de force en présence, compte tenu de la puissance de la France, compte tenu de la puissance qu'exerçaient les relais de la France en Corse, compte tenu de l'injustice que nous rencontrions tous les jours, compte tenu des perspectives de disparition de notre peuple à court terme, il a fallu se résoudre à utiliser des moyens, des moyens qui sont difficiles et à consentir de nombreux sacrifices. Mais ça a été un tournant dans l'histoire de la Corse et se sont ouverts à ce moment-là quatre décennies de conflits avec une dimension également de conflits armés. Bon, llavors, per aquest partit, el Front de Liberació ha sigut una elecció difícil, ja que han hagut de sobreviure, de treballar la clandestinitat amb la lluita armada, però diu que justifica la lluita en contra d'aquestes injustícies que el poble estava patint. Diu que ha sigut doncs, uns quatre decennis de sacrificis, que han hagut de lluitar amb mitjans difícils, però que era necessari. Et donc ça a duré 40 ans. Ça a duré 40 ans, de 1976 jusqu'à 2014, lorsque le FLNC a décidé lui-même, donc unilatéralement, sa sortie de la clandestinité. La lluita a durat 40 anys fins al 2014, fins que van decidir doncs, sortir de la clandestinitat. Alors pendant ces 40 années,
Il y a eu effectivement plusieurs formes de lutte. Il y a eu une lutte clandestine, armée. Il y a eu une lutte publique à travers des organisations qui se présentaient aux élections et qui soutenaient également, qui avaient une solidarité avec le FLNC. Organisation qui a changé souvent de nom parce que nous avons été souvent dissous par décision du gouvernement français. Donc nous nous sommes appelés la CCN, la CUNCOT, le MCA, Corsica Nation et puis Corsica Libera aujourd'hui. Donc c'est le même courant qui a été obligé de changer de nom à plusieurs reprises du fait de, évidemment, des persécutions judiciaires qui étaient menées par Paris. Et puis il y a eu également un troisième niveau de lutte qui était la lutte sociale, la lutte syndicale, avec la création du syndicat des travailleurs corses, le STC. Mm-hmm. Bon, vu que la lutte a tingut différents aspectes, doncs, hi ha hagut una lluita clandestina armada, hi ha hagut una lluita pública a través dels partits polítics que s'han anat presentant de les eleccions, que han estat dissolts moltes vegades i han anat canviant de nom, doncs es dissolvien i tornaven a aparèixer amb un altre nom, fins que actualment és Corsica Libera. Sí. Doncs han patit persecucions judicials i que també hi ha hagut una tercera, un tercer tipus de lluita, és la lluita sindical, a través del sindicat que es correspon. Alors, pendant ces 40 ans, donc, il y a eu ces trois volets, donc la lutte populaire de masse, syndicale, sociale, la lutte politique et institutionnelle, et puis la lutte armée. Donc, le bilan de ces 40 années, c'est un bilan qui est lourd en sacrifices, puisque nous avons eu des centaines d'arrestations, des années de prison qui ont été distribuées de manière extrêmement généreuse. Nous avons d'ailleurs toujours aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, des prisonniers et même des recherchés. Donc des sacrifices extrêmement lourds sur le plan de la liberté, mais aussi sur le plan de la vie, puisque nous avons également eu de nombreux morts. Donc 40 années qui ont été extrêmement lourdes pour notre mouvement, mais qui ont permis à un moment donné, d'une part, de faire en sorte que la prise de conscience des Corses dans leur ensemble ait lieu. Et c'est vrai que 40 ans plus tard, tous les Corses sont conscients aujourd'hui, à quelques exceptions près, de l'importance de sauver le peuple corse, de sauver sa langue, de sauver sa culture. Et ça fait partie véritablement des choses qui sont aujourd'hui largement consensuelles, alors qu'il y a 40 ans, les Corses croyaient que ce qui était à eux n'avait pas de valeur. Donc ça, c'est quand même un progrès essentiel qui a été fait en 40 ans. Bé, com a resultat de tota aquesta lluita, diu que ha sigut un sacrifici molt pesat, molt dur, perquè fa la llibertat, ja que han hagut de centenars de persones que han estat arrestades, moltes persones que han anat a la presó, que encara hi són actualment, també hi ha hagut morts, però diu que el resultat ha sigut molt positiu perquè actualment gairebé tots els cossos han pres consciència de que el poble cos doncs, té un valor que és el que fa 40 anys no ho tenien clar, no ho pensaven, actualment saben que són un poble, que tenen un valor, que tenen una cultura, que tenen una llengua que l'han de defensar. De la même manière, pendant cette période, les Corses ont été libérés du poids de ces chefs de clan qui les faisaient voter comme ils voulaient, souvent, simplement parce qu'ils les tenaient dans des réseaux à travers le service rendu, à travers les pressions de toute nature. Donc les Corses, de manière générale, ont commencé à voter librement, donc au bout de quelques décennies. Doncs aquests 40 anys també han servit perquè els corsos se sentin alliberats per votar a qui vulguin, perquè fins ara doncs, han estat pressionats pels clans doncs, que feien una mica el que deia a París i no tenien aquesta llibertat de votar actualment, que la tenen i saben a qui han de votar.
Dans la même période, nous avons protégé notre terre, et en particulier notre littoral, qui avait vocation, dans l'esprit de Paris, à être bétonné. Hein. L'exemple que prenaient un certain nombre de promoteurs, c'était les Baléares, que vous connaissez bien, et c'était le modèle de développement que l'on voulait pour la Corse, et nous l'avons refusé. Et nous l'avons refusé et nous l'avons empêché. Et donc aujourd'hui, et cela fait aussi partie du bilan positif de cette lutte de 40 ans, c'est que notre patrimoine naturel a été largement préservé. També han aconseguit protegir la terra, protegir el litoral, que, com hem dit abans, estava pensada pel turisme i posa fa la comparativa amb les Balears. No? El que han aconseguit ha sigut preservar aquest litoral i fer el que ells volien i no el que els francesos havien volgut fer. Donc voilà les progrès qui ont été faits. Alors ces progrès ont été intégrés par les Corses comme des avancées du mouvement nationaliste corse. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, nos idées ont pénétré en profondeur la société corse, au point de contraindre, y compris les élus traditionnels, c'est-à-dire les élus attachés à des partis parisiens, eh bien, même ces élus ont été contraints d'avancer vers nos idées et de faire voter, même par l'Assemblée de Corse, avant que nous ne gagnions les élections, faire voter par l'Assemblée de Corse des idées qui sont celles des nationalistes. L'officialité de la langue, la protection de notre patrimoine foncier, de notre terre, la libération et l'amnistie des prisonniers et des recherchés. Tout ça a été voté avant même que nous ne prenions le pouvoir. Diu que abans que el seu partit prengués el poder, els polítics que pertanyen una mica a la vessant francesa també han estat obligats a avançar cap a les idees que ells havien tingut i abans d'estar en el poder ells, doncs van votar l'oficialitat de la llengua, doncs la preservació de la terra, tal com han dit abans, i l'amnistia per la gent que encara, o els polítics que encara quedaven a la presó. Donc, en 1914, le FLNC devait tirer les enseignements de cette évolution de la situation, évolution radicale, parce que l'Assemblée de Corse elle-même, qui n'était pas encore dirigée par des nationalistes, se ranger derrière toutes les positions nationalistes. Ça voulait dire que nos idées avaient tellement pénétré la société corse que même la classe politique qui était au pouvoir était obligée de venir sur nos points de revendication. Donc le FLNC a véritablement tiré les enseignements de cette situation nouvelle et a décidé sa sortie de la clandestinité pour ouvrir une nouvelle phase de l'histoire de la Corse. Bueno, llavors que el Partit de Liberació va decidir el 2014 sortir de la clandestinitat, ja que d'una certa manera havien fet possible que tots els polítics doncs, quedessin impregnats de les idees de liberació del poble corso. Donc, dans les mois qui ont suivi cette décision du FLNC, les nationalistes ont pu opérer la jonction de leurs deux courants historiques, c'est-à-dire le courant d'un côté indépendantiste qui soutenait la clandestinité, celui dont je fais partie personnellement, et le courant autonomiste qui ne soutenait pas la clandestinité. À partir du moment où le FLNC a pris cette décision, il y a eu un rapprochement entre les deux courants et il y a eu un accord qui a été scellé pour les élections de décembre 2015. Llavors parla que hi ha com a dos vessants polítiques actualment a Còrsega. Hi ha el corrent independentista que surt de la clandestinitat, el que fa formar part, i després el corrent autonomista, que és el corrent més tradicional, però que han anat apropant posicions i llavors han arribat a un acord al 2015.
et nous avons gagné les élections, ce qui n'est pas rien. Alors, dorénavant, la Corse, les institutions de la Corse sont dirigées par les nationalistes et les deux courants du nationalisme désormais unis, le courant autonomiste, le courant indépendantiste. Nous avons un accord de mandature pour 5 ans. Pendant ces 5 ans, donc, nous allons tenter d'opérer un enrichissement, y compris matériel, du peuple corse. Nous allons également négocier avec Paris sur les revendications qui sont les nôtres, à savoir l'officialité de notre langue, la protection du foncier, la libération des prisonniers, l'amnistie pour les prisonniers et les recherchés. Nous allons donc, pendant ces 5 ans, nous atteler à ces différents sujets qui sont des sujets d'une grande importance. S'agissant de la question de l'indépendance, ça sera pour nous, indépendantistes, le débat qui sera ouvert après cette mandature. Llavors, aquestes dos vessants del nacionalisme, els independentistes i els autonomistes, han arribat a un acord de mandat per 5 anys. Llavors, durant aquests 5 anys, tenim com a projecte enriquir materialment el poble corso i negociar amb París doncs, els punts que ja ha mencionat abans, que són la llengua, doncs, la terra, i l'amnistia dels presos. Llavors, pel que fa a la independència, doncs aquest debat serà o tindrà lloc quan passin aquests 5 anys. Et je terminerai par ce par quoi j'ai commencé. Je vous disais que vous êtes en avance sur nous et depuis longtemps. Et nous avons beaucoup appris sur un certain nombre de sujets, comme la politique linguistique qui est menée en Catalogne depuis fort longtemps. Ça a beaucoup inspiré la politique de notre majorité aujourd'hui, puisque nous sommes la majorité dorénavant. Nous avons beaucoup travaillé sur tous ces sujets. Vous savez, nous avons été 40 ans dans l'opposition, donc nous avons eu le temps de travailler sur tous ces sujets. Et l'expérience catalane a été précieuse sur pas mal de sujets. Je disais que nous allons donc aujourd'hui, pendant 5 ans, faire tout ce qu'il est possible de faire pour lutter contre le chômage, pour développer économiquement la Corse, pour développer notre langue, pour protéger notre foncier, pour faire libérer nos prisonniers et pour faire amnistier nos prisonniers et nos recherchés. Et puis, le débat d'après, ça sera l'indépendance. Parlez de la Catalogne. En 2006, vous avez voté pour un nouveau statut. À ce moment-là, ce qui était en débat, c'était ce nouveau statut. Et puis, dans les années qui ont suivi, immédiatement, le débat, ça a été l'indépendance. Donc, nous, ce que nous voulons, en tant que courant indépendantiste, c'est que après cette mandature, après cette période de 5 ans, eh bien, que nous puissions sereinement discuter de la question de l'indépendance nationale avec nos partenaires autonomistes, et nous ne désespérons pas de les convaincre de devenir indépendantistes. Je sais qu'en Catalogne, il y en a un certain nombre d'autonomistes qui sont devenus indépendantistes, donc tous les espoirs sont permis. Bé, aquí fa, estableix un paral·lel amb Catalunya, diu que com al principi havia dit, doncs és un model que estan seguint, tant a nivell de política lingüística, per exemple, ells estan seguint els passos imitant una mica que s'ha fet a Catalunya, que per ells és una experiència molt, molt valuosa. I torno a repetir que durant aquests 5 anys de pacte que tenen amb els autonomistes, doncs, que intentaran doncs, progressar en el camp de l'atur i desenvolupar doncs, la riquesa, mantenir la terra i tal, i que bueno, també torna a establir aquesta comparació amb Catalunya, diu que el 2006 doncs, es va votar el nou estatut i que a partir de llavors es va començar el debat sobre la independència. Doncs ells pensen fer mateix, passar aquests 5 anys intentant enriquir el país i a partir d'allà doncs, parlar serenament, és la paraula que he fet servir,
amb els autonomistes i intentar convèncer-los per la independència. Pour l'instant, nous sommes dans cette période de 5 ans, alors, qui va nécessiter pour que le contrat de mandature soit mené à son terme, il va falloir aussi que nous confirmions notre succès lors des élections prochaines en décembre, puisque nous allons voter à nouveau en décembre. Il s'agissait d'une demi-mandature, même pas d'un tiers de mandature en fait, jusqu'à maintenant, parce que comme nous allons changer de statut au début de l'année prochaine, il y aura des élections en décembre. La plupart des observateurs disent que nous avons de bonnes chances d'être confirmés dans nos fonctions, mais ça sera une bataille qu'il nous faudra livrer, une bataille électorale. Encara que parla de 5 anys de mandat, però diu que ara, al mes de desembre, faran unes noves eleccions perquè és com que representa com un terç del mandat, no? Llavors faran unes noves eleccions i que, clar, han de guanyar aquestes eleccions perquè a principis de l'any que ve tornen a votar un nou estatut. Voilà, donc, voilà nous en sommes. Donc, vous avez compris quelles sont les perspectives. 5 ans pour tout changer en Corse, la manière de faire de la politique, pour changer les institutions, pour demander davantage de pouvoir, pour avoir un statut plus performant, et puis, dans 5 ans, lancer de manière sereine le débat sur l'indépendance. Et l'indépendance, nous savons très bien qu'elle n'aura lieu que si les Corses votent pour l'indépendance, et donc pour que les Corses votent pour l'indépendance, il faut qu'ils sachent aussi qu'il soit assuré d'une certaine stabilité sur le plan matériel. Nous savons comme les questions économiques ont été importantes en Catalogne et dans les autres pays qui sont dans la même situation, je pense à l'Écosse, la question économique est importante. Donc il nous faudra, pendant ces 5 ans déjà, donner la possibilité aux Corses de voter librement sans avoir cette hypothèque de l'avenir sur le plan économique et matériel. Molt bé, clar, diu que l'èxit del seu projecte està supeditat al desenvolupament econòmic, ja que perquè els cossos puguin votar la independència han d'estar segurs que poden funcionar per ells mateixos. Llavors, primer, durant aquests 5 anys, el que volen és enfortir aquest sistema econòmic del país. En conclusió, el que jo puc dir és que la victoire, elle est à chaque pas du chemin. Nous avons déjà remporté de nombreuses victoires, d'abord parce que nous n'avons pas disparu comme peuple alors que nous étions voués à une disparition certaine, et nous avons fait en sorte d'être encore aujourd'hui sur notre terre, avec notre langue, avec notre culture, avec toutes les spécificités qui sont les nôtres et qui font de nous un petit peuple qui n'est pas mieux qu'un autre, mais qui n'est pas pire qu'un autre, et qui est un peuple au sens fort du terme. Nous existons toujours, et ça c'est une victoire. Nous avons effectivement réussi à convaincre les Corses, dans leur majorité, que nous devions prendre la direction des opérations sur le plan politique, et nous avons eu une victoire électorale. Ce n'est pas le bout du chemin. Il y a maintenant une période qui s'ouvre, qui va être déterminante, et puis il y aura le débat sur l'indépendance. Mais, encore une fois, comme on voit rarement des fleuves remonter à leur source, nous sommes persuadés que les Corses qui ont fait le choix de l'émancipation, qui ont commencé à aller dans le sens de leur liberté, ne reviendront pas en arrière. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus aujourd'hui que le temps travaille pour nous. Le temps ne travaillait pas pour nous jusqu'en décembre 2015. Mais aujourd'hui, avec la décision qu'ont pris les Corses d'avancer dans le sens de leur souveraineté nationale, nous savons que le temps travaille pour nous. Et nous savons que tôt ou tard, la Corse, nation, sera également une nation indépendante. Je vous remercie. Ha dit
una frase que es molt maca, diu que la victòria està en cada pas del camí. I que si ja han arribat fins aquí i han convençut els cossos de que és, doncs és la via, no? Perquè aquest poble continuï o sobrevisqui a totes les amenaces que té. També fa una comparació, diu que són com un riu que ja ha agafat el seu camí i no hi ha marxa enrere. I esperen poder convèncer a tots els cossos de que ha de ser així. I que abans o després, doncs, Còrsega serà una nació independent. Bé, merci, merci, esplèndid. Cecília, moltes gràcies, també, molt bona traducció.